Salut YouTube, on se retrouve sur Tomb Raider, c'est parti. Raider 1, je compte faire la trilogie. Bon, normal, on passe pas. Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. J'adore quand même les autres qui sont sous la plus battante. Ils s'en battent les couilles, hein. Moi je peux, comme ça j'essaie de m'abriter, tu vois, les ouais, ils ont la poule qui leur fouette la gueule. Rien à foutre. C'est vrai qu'ils ont d'autres priorités sur le moment, mais quand même. Vous savez les gars, suspendre la viande comme ça c'est pas très bon, hein, pas ta base. C'est pas cher durci. Alec ! Jonah ! Reyes ! Aidez-moi ! Il faut que je me libère ! Ça va faire mal. Ah, ça je te le confirme, ma grande. Non, pas encore. En fait, vous savez pas, mais c'est pas la jeune, c'est Lara. Ah, tu le retires, toi. Ah, on va pas faire ça à ta place, mais...
pas une très bonne idée, mais bon. La perte de sang, je te raconte pas. Si elle s'est transportée en intestin, quelque chose. Ah, je sais pas. Oh mon Dieu. Non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu reconnais pas, c'est chez Tata Gertrude. Et Tata Gertrude, elle court avec ses chats, etc. Mais des drôles de messieurs, j'avais aussi qui viennent parfois. T'en as rencontré un d'ailleurs. Oh non, il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Ah, fils de pute. Eh, ça met des petits frissons quand même. Boum. Je suis bloqué.
vitesse et tout ça. Je suis assez rapide, moi. Sur B, je crois que ça marche pas trop. Premier fail, allez. Sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Moi je serais le quart si ça tombe dans sa condition. Okay. Je me sens dans un coin et je meurs. Doucement. Joystick, il a pas bougé, hein. Faut pas genre un commande. Oh. À côté, je suis pas du genre à avoir le vertige. J'adore la comprendre, j'adore l'escalade, j'adore tout ça. Ok. Des limites. J'ai appuyé sur A. Hein. J'ai appuyé sur A. Moi, en temps normal, je fais pas ça. Je vais, mais je me nique la cheville ou un avant-bras, quelque chose.
Il a lui blessé comme pas possible. Et... Ok. Non. Ça, c'est des plans de galère. C'est tout ce qui va arriver. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous allez le voir à sa place. Je peux y arriver. Ah, tu peux certainement y arriver parce que la vie, on va y arriver. Ça, c'est une le sac de Sam. Oh, cette conne de Sam. Sam! Ils ont dû passer par là. Les allumettes. Sam? Ross? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Ok. Mais non. Mais tu te prends le cœur de ce qu'elle prend, t'es par terre, tu veux plus bouger. La mégane. Non mais les gars, les loups normalement c'est pas censé approcher l'homme, moi je sais. Ouais, aouh, moi aussi je crois des aouh, moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Oui, je t'entends. Viens derrière moi. J'ai trouvé du bois sec par rapport à ça. Il reste qu'une seule. Non, mais c'est une blague. Je faisais ça pour déconner. Ils sont pas dans un game énorme. Si tu fais le mec comme ça, c'est que je faisais un barbecue. Bah, pas non. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il.
Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. Ton décolleté. J'en suis persuadée. Oh. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, allez, rattrape-le. Non, non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes ça sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Ouais, je suis assez de là, oui. Oh mon Dieu! Le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. C'est vrai qu'en général, quand on prend un mec, on le laisse sous l'arbre. Je peux pas chasser à main nue. Il faut que je trouve une arme. C'est vrai que tu t'appelles Lara Croft, pas Chuck Norris. Je peux y arriver. Je tiens quand même à signaler que c'est toujours pas bandé le... Pas vraiment que je pouvais, mais... Non mais la fille... Elle se casse sans cesse, elle. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Quelque chose pour m'accroupir.
Sinon, bouffer l'oiseau, non, ça ne dit pas. Oh, visage jugulaire. Bah ouais, ma grosse, c'est... Le monstre, il rigole quand il vit une biche. Désolé. Un coup, je me sens honteux. Une vie pour une vie. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Oui, il faut juste aussi avoir un son d'orientation, ça marche aussi, hein. Je ne cache pas. Pas forcément besoin de. J'hésite. Je sais la manette. Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross ! Lara ! Tu es en vie ! Calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non ! Oui, c'est avec un seul où cadavre. Es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon ? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Allez, c'est parti. De la musique ? Oh, the fuck.
pas fou, hein, c'était... Eh oh ! Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Je vais passer sur lui, tu sais pas où t'es, tu sais pas qui c'est qu'il y a dessus, il y a deux. Putain de salope de merde, j'ai pas eu peur, tu en vois. Y a un mec qui a me niqué juste auparavant, moi à ta place, je gueulerai pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? De la guerre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Charmante décoration. Oh non. C'est de la folie. Un gun, s'il vous plaît. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ça se poudrait le visage, non, je pense. Juste pour revenir, je cherche pas des pour 100% etc. Parce que je ferme ici l'histoire. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Déjà, ça m'a pas l'air. Qu'est-ce que j'ouvre cette porte alors que. Ça, je. Là, oui, il faut l'ouvrir au plus là. Je rappelle encore une fois hein, qu'elle a une putain de blessure à l'estomac. La meuf, elle va te prendre de l'eau dégueulasse. Va te choper une septicine, ma grosse. Ok. On l'a vu le panneau, hein. Je lis pas japonais, je lis pas chinois ou quoi que ce soit, mais. C'est clair, hein. On les a entendu gueuler tout à l'heure, je suis sûr qu'on va se taper des. Obligé. Screamer ? Pas de screamer. Je suis une déception. Sam ? Qu'il suive le sentier. C'est un peu abrupt, j'en ai peur. Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je m'appelle Mathias.
Je suis enseignant. Ouais, t'enseignes quoi, Moro? Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, le mec, tu sais pas mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants de tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Non, bande de cons, c'est lui qui est censé vous prendre dans le piège. Pas de nous. Avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Mais je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Oh, mon petit pull en bruit. C'est pas si mal. À croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres.
Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Ils l'appelaient la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Où est-ce que ça rend ce qu'un on s'en fout. Là-haut, j'ai trouvé quelque chose. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline. Cherchez le grand portail. Lara est en pleine crise de confiance, alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au... Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Sympathique. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Ensemble. Ah non! C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. On va trouver quelque chose et le tire par en couille. C'est le matériau ? Oh merde. C'est possible. Ok. Mais...
tamisé, mon gars. Sanctuaire. Qui peuvent-ils bien vénérer ? Quoi ? Voilà, ça devrait suffire. J'essaie de la finir encore, ça marche pas. Juste de l'XP ? Ah mais c'est pas possible ! Calmer, hein. Merde. Est une vraie diva. Je le revois encore pendant que je le filmais. Quelle histoire! Après tout, c'est son boulot, non? Ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose au résultat de ses recherches. Dès que nous aurons trouvé l'Yamatai et que les caméras tourneront, ça ira mieux. Il est pénible. Oh mais merde! Ah, j'ai dû prendre des yeux pendant 2 secondes. Putain, une population de loups incroyable ici! Bon.
prête, docteur. C'est quand vous voulez. J'aurais mis la main, j'aurais retiré. Cette genre avec les féminines sur le portail. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il n'a fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Allez, voyons ce que nous pouvons découvrir. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Le pessimisme. Incroyable. C'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non ! Je m'en occupe ! Non ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! S'il vous plaît ! Lâchez-moi ! Non, ne leur résistez pas, Lara ! Faites ce qu'ils demandent ! Daimni Pistaler ! Иди. Пошла! Ты кто это вы, enfin? Qu'est-ce que vous... Тихо! Лара! Начнут вас слушать, мочи! Не делайте вам зла, я вас прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Лашила! Лашила! Лара! Кур! Окружить их! Окружить! Только попробуй, рыбка. Почему? А сервис скалом. Прячешься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех J'ai fui sur les mecs, bordel de merde. On a pu assez vite, apparemment. Mais le mec, quand même, hein, hey, parce qu'il la gueule, etc. Non, le Prends. Давай. Ah. Лучше не зли меня. C'est un prélude, hein. Anna, toi, j'avais la plus mal, je n'ai pas.
crois qu'il a pu faire grand chose. Oh mon Dieu! Ah, c'est trop bien. Il y a retourné, lui, en tout cas. J'en ai On a fait un destin de troupe. Elle est descendue par là-bas. Elle est morte. Je sais pas. Laisse tomber. On sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle est où, c'est que je suis là. Est-ce que c'est une jungle? Ne vous approchez pas de moi. Mais attends, est-ce que je peux prendre une balle? Oula, on est tombé à court de batterie. La manette. Putain, mais tu te prends une balle comme ça, t'es censé mourir en fait, gars. Non, mais. Oh, c'est fou qu'elle ait 4 motants. Aston, ne casse pas tirer. Pas non plus d'ailleurs. Fais là ! Fais des feux ! Tu vas mourir là-dedans !
le cercle était rouge. Alors voyons ça. Portefeuille. Téléphone cassé. Toujours les mêmes merdes. C'est quoi cette fois, un pétrolier? Non, un bateau de recherche scientifique. Venez m'aider! Qu'est-ce qui se passe en bas? Tout va bien? Tu es là! Non, on fait rien, c'est sympathique. Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Rose, ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. De la flotte quand même, c'est ces jambes avec une torche à l'espace. Bon. Je ferai peut-être les zones en off, on peut voir. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? C'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Et cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Avec l'édition que j'ai achetée, ça va toujours pas quoi ça ressemble, on va voir. Oh, mais c'est serre, hein. C'est trop serre, même. À quoi tu ressembles, ma belle? Ouais. Sympathique, mais sans plus. Ah, je peux faire. Intelligence. Je peux faire. Bon allez, on va s'arrêter là. Et à la prochaine.